C'est pourquoi je chante Miracle, Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est Miracle, Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas. Bonsoir, bonsoir ma sœur, bonsoir. Que le Seigneur Jésus, le ressuscité, Jésus de Nazareth, notre Dieu et notre roi, notre Père, puisse te fortifier encore dans l'œuvre qu'elle t'a confiée. Que le Seigneur te bénisse pour les nuits de prière, qu'il te bénisse pour tout sacrifice, que ce soit spirituel ou physique, que tu fais dans l'ombre pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur te comble, ma soeur, qui comble ton cœur, qui comble ton cœur, qui comble. Bon, si je fais ce voice, c'est par rapport à l'enseignement que le frère a fait, que l'homme de Dieu a fait le premier, et qu'il a même commencé à faire ça avant même parlant de la puissance de Dieu dans nos vies. Et de comment nous ne devons pas mettre notre confiance dans les médicaments, les médecins. Donc c'est par rapport à ces messages que je viens témoigner, parce que c'est quelque chose que j'avais expérimenté vraiment. Quand il enseignait l'autre jour, je comprenais très bien ce qu'il disait. Je comprenais ça très facilement parce que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre cela. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, il y a beaucoup de choses que l'homme de Dieu enseigne maintenant, mais ce n'est pas nouveau. C'est des choses qu'il a eu à dire depuis et que moi, je constate que le Saint-Esprit nous rappelle seulement. Oui, parce que la plupart des choses qu'il dit, quand tu es attentif à tout ce que le Seigneur l'a utilisé pour enseigner jusqu'ici, il dit pratiquement, le Saint-Esprit est en train de parler, d'exhorter et parler de la même chose. C'est suite à l'enseignement qu'il avait fait, Médecin pour Jésus, et je crois que c'est Canada dans la sainteté, qu'il avait fait. Et ce que le Saint-Esprit avait dit là-bas, à travers notre frère, m'avait édifié et j'ai cru. J'ai cru en cela parce que le Saint-Esprit a certifié ça dans mon cœur et m'a donné la foi. Moi, je viens rendre ce témoignage que nous n'avons, un enfant de Dieu doit avoir confiance au Seigneur parce que le Seigneur veut seulement que nous soyons disposés dans nos cœurs pour qu'il agisse. Moi, particulièrement, je viens faire ce témoignage par rapport à la dernière césarienne que j'ai eue. Moi, on m'a fait la césarienne 4 fois, mais les césariennes n'étaient pas pareilles. Et à chaque césarienne, on me demandait toujours que je laisse, on enlève mon utérus, puisqu'ils disaient j'avais déjà 5 enfants. Ils ont dit que j'ai déjà, ils me posaient, les gynécologues me demandaient toujours, oh madame, tu as combien d'enfants? Quand je dis j'ai déjà, on dit non madame, tu as beaucoup accouché. C'est cela vraiment, ça n'en vaut pas la peine. On dit que bon, on va enlever ton utérus. Je refuse, mon mari et moi on refuse. Et ok, puis ils nous ont fait ça plusieurs fois, à chaque fois, pendant les 4, donc en subissant les 4 césariens, j'avais déjà fait 5 enfants. Et ce qui fait que les autres grossesses, j'avais accouché normalement, mais le reste des 4, les 4 enfants, les 4 césariennes, les 4 lagos, les 4 derniers grossesses, c'est pas césarienne. Et à chaque césarienne, à chaque fois que je partais en visite, pendant les grossesses, on disait tout qu'on va enlever ton utérus, voilà, tu as 5 enfants. Ça. Et suite à ce que le Seigneur a eu à nous enseigner, que nous n'avons pas le droit de changer ce que le Seigneur, on n'a pas le droit de faire cela. Moi, je m'appuyais sur cela. Et malgré les difficultés que j'avais, donc, c'est-à-dire qu'avec les difficultés qu'il y avait, ça, vraiment, quand tu regardais mes difficultés d'accouchement, ça pouvait donner que vraiment tu enlèves l'utérus et que tu n'accouches plus. Et
C'est comme ça que j'ai. Chaque fois, mon mari refusait. Et ils nous ont fait comprendre, un gynécologue nous a fait comprendre même que, voilà, l'OMS a constaté que les plannings familiales, les produits qu'on les donne pour ne plus accoucher là, les données plutôt les maladies, ça, au fait, ça avait des conséquences néfastes et que l'OMS a décidé d'enlever maintenant que l'utérus, c'est ce qu'un gynécologue nous a dit. Et ce gynécologue-là est chrétien, hein, et de la CMCI, qui nous proposait même aussi, parmi ces médecins-là, même aussi d'enlever l'utérus, malgré qu'il soit chrétien de la CMCI. Moi, ce qui m'avait aussi étonné. Bon, par la grâce de Dieu, nous, on a refusé. Malgré les difficultés que j'avais, chaque fois, il fallait qu'on opère et la grossesse n'était pas facile et tout. Mais comme le Seigneur avait dit qu'on n'essaye même pas, on n'a pas le droit. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui m'a marqué, que j'ai vu que la parole de Dieu est vraie et que les enseignements que le Seigneur nous donne à travers le frère est vrai, ce que j'ai expérimenté, c'est que je me suis retrouvée à la dernière césarienne. On a programmé le jour où je devais entrer au bloc. Et avant qu'on entre au bloc, même que j'entre au bloc pour l'opération, le médecin là m'a dit, le chirurgien qui devait m'opérer, oh madame, moi j'ai 28 ans de service, hein, il ne faut pas avoir peur, il faut me faire confiance. Il dit seulement dans mon cœur que moi, te faire confiance. Hein, moi, faire confiance à un homme, jamais. Et c'est comme ça que j'ai parlé à mon mari, que le type l'a dit quoi, qu'on lui fait confiance. Nous, on fait confiance au Seigneur. Et c'est comme ça que nous sommes restés en prière. Voilà, donc on entre dans la salle d'opération. On entre dans la salle d'opération, on m'anesthésie. Déjà, même pour anesthésier, ça ne prenait même pas. Ils ont fait jusqu'à ce que ça a pris. Et le chirurgien en chef lui-même a ouvert le ventre. Mais j'avais constaté qu'il avait les difficultés. J'observe. À un moment donné, je vois on appuie mon ventre. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Je dis que, mais c'est comment les gens s'ils ne font qu'appuyer mon ventre. Je vois comment le médecin transpire. Il transpire. Je dis que, mais je vois, il appelle. C'était grave, donc je vois, il appelle. Ils ne font qu'appuyer le ventre. Je dis que, mais les gens s'ils appuient seulement mon ventre, c'est comment? Il avait déjà ouvert le ventre. Mais l'enfant, il ne parvenait pas à enlever l'enfant dans le ventre. Il ne parvenait pas à faire sortir l'enfant. Il dit le ventre est ouvert, mais ils ne peuvent pas enlever l'enfant. Il a appelé le renfort. Il y avait quatre personnes sur moi pour appuyer le ventre, pour enlever l'enfant. L'enfant n'est pas sorti. J'ai donc crié, puisqu'on avait fait l'anesthésie locale, donc je pouvais voir ce qu'ils sont en train de faire. Alors, quand j'ai vu ce qui se passait, donc j'ai compris qu'il y a problème. J'ai commencé à crier Jésus. Père, j'ai commencé à prier. Pendant donc que je priais, mon mari a entendu, comme il était à l'extérieur, il a entendu comment je criais Jésus là-bas. Il s'est demandé que, mais c'est que comment là-bas dedans, je crie Jésus très fort comme ça. Et c'est comme ça qu'il est venu, voulait entrer, même on l'a bousculé, qu'il n'entre pas. Mais il a bousculé les gens, et il est entré. Et quand il est entré, il a tenu ma main. Il a commandé à l'enfant de sortir de ce ventre. Et l'enfant est sorti. Et quand il est sorti, la tête est calée. Il a encore commandé au nom de Jésus. C'est là où l'enfant est maintenant sorti, que le médecin a pris l'enfant. Le médecin avait transpiré. Eux tous, ils avaient transpiré, bien même. Quand on prend donc l'enfant, on l'habille, on sort. Donc, pendant ce moment où ils perdaient dans le temps-là, l'anesthésie est finie. Ils n'ont pas su que l'anesthésie est finie. Voilà, donc, je commence parce que normalement, quand tu fais l'anesthésie locale, l'endroit qu'on a tué là, tu ne peux pas bouger. Mais, chose curieuse, c'est que quand l'enfant sort, je soulève mes pieds, je plie. Comment tu plies? Quand tu es couché sur la table, tu soulèves tes pieds, tu plies les genoux là. Je commence à faire les mouvements.
et je sens les douleurs. Alors, le médecin allait seulement mourir. Là, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient dépassés. J'ai dit, j'ai vu une équipe de médecins dépassés. Ils étaient donc dépassés. Mais comment se fait-il que l'anesthésie, ils vont donc faire comment? Le médecin est resté comme ça, la sueur coulait sur lui. Alors, ils ont donc pris l'anesthésie générale. Ils ont chouqué ça sur moi. Moi, je n'ai pas su. En tout cas, ils ne m'ont pas dit. Alors, je sens une sensation comme si je suis en train de mourir. Et du coup, j'ai eu un réflexe de demander à... C'est-à-dire, je n'ai pas perdu courage. Le Seigneur m'a donné la force de ne pas paniquer. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez mis sur moi? Quand je demandais, qu'est-ce que vous avez mis sur moi? Alors, j'entendais comme l'écho, comme si j'étais loin et que je parlais à des gens qui sont loin. Je demandais, qu'est-ce que vous avez mis? Il a dit qu'il a mis qu'on ne peut pas me refermer le ventre sans anesthésie. J'ai dit, mais pourquoi vous avez mis sans me dire? Enlevez ça sur moi. Il ne voulait pas. J'ai crié, enlevez ça sur moi. Ils ont enlevé. C'est comme ça que j'étais lourd. J'ai commencé à prier. Père, aie pitié de moi. Ne me laisse pas. Je pleurais. Seigneur, ne me laisse pas. Père ne me laisse pas, Père ne m'abandonne pas. J'étais déjà loin, donc je mourais. C'est-à-dire, je plongeais déjà bien, mais j'étais conscient que me voici en train de partir. Mais je n'ai pas perdu courage. J'ai dit, Père ne m'abandonne pas. Je ne faisais que Père ne m'abandonne pas. Père ne m'abandonne pas. Père ne m'abandonne pas. C'est comme ça que Père, je ne m'abandonne pas. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis revenue à moi. Petit à petit, petit à petit, je suis revenue. Quand je suis revenue, je comprends. Je te dis que bon, maintenant, là, on va faire comment? On va faire comment? J'ai dit, il faut coudre ça comme ça. Fermer mon ventre sans anesthésie. Mais ils étaient dépassés. J'ai dit, fermer ça comme ça. Sans anesthésie. En disant comme ça, j'avais foi, mon Dieu. J'ai fait confiance au Seigneur. Et c'est comme ça que quand il s'est positionné maintenant pour fermer le ventre, j'entends seulement une main qui se pose, je comprends seulement, tape avec une douceur, tape sur mon ventre, qui saisit mon ventre. Et quand cette main-là a saisi mon ventre, le médecin a commencé à coudre. Il a cousu, cousu, cousu. Ils ont bien fermé. À un moment donné, la présence de Dieu qui était là, il a commencé à dire, oh, madame, vous nous avez fait peur, vraiment. On pensait vraiment, oh, vraiment, Dieu nous a fait peur. Et dans mon cœur, il se manque que si je t'explique ce qui se passe là, que c'est Dieu qui a tenu mon, qu'il y a une main sur mon ventre. Tu ne vas pas quoi donc mieux, je te laisse bavarder comme ça. C'est ce que je me suis dit intérieurement dans mon cœur. Ils ont couru jusqu'à arriver à un niveau ici au-dessus. Le Seigneur a permis un peu que je ressente la douleur. Ça faisait vraiment mal. Ils ont commencé à coudre au-dessus là, quand ils sont arrivés au niveau de la peau. Ils ont commencé à coudre et à coudre. C'est là où je sentais la douleur. Mais je tenais ferme. Dans mon cœur, c'est venu dans mon cœur. Ça va faire mal. Mais ça va finir. Alors, j'ai donc dans mon cœur, il faisait qu'il dit, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Ça me donnait des forces. C'est juste. Et au même moment, j'étais en train de dire, ah Seigneur, mince, si l'aiguille fait mal comme ça, combien de fois le clou qu'on t'a mis dans la main? Ah, et mon esprit était maintenant concentré que sur la croix. Donc, je ne m'occupais plus de. Comme ils étaient en train de coudre, ça me faisait mal là. Mon esprit était maintenant que sur le lever de la croix, était là, dit, ah Seigneur, si l'aiguille me fait mal comme ça, combien de fois les gros clous comme ça qu'on a mis sur ta main? Et j'étais en train de contempler cela. Et c'est comme ça qu'ils ont fini de coudre, hein, sans anesthésie. C'est comme ça que quand je suis sortie du bloc, j'étais dure. Donc, mon cœur n'avait plus peur de quelque chose. Mon cœur n'avait plus. Donc, mon cœur pouvait supporter tout genre de douleur. Et quand j'arrive à la salle de réanimation, mon mari me demande que, mais tu ne trembles pas. Comme les gens, on sort souvent au bloc là, parfois tu grelottes.
Je ne grelotte pas. Il me demande, mais tu ne grelottes pas. Je dis que tu sais même d'où je viens. Là où je suis dur comme le caillou. Donc, l'épreuve là m'a rendu dur. Donc, là où je suis, je n'ai pas peur d'une douleur. Je n'ai pas peur de quelque chose. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a secouru. On m'a fermé le ventre pendant la césarienne sans anesthésie. Parce que j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai dit que, Seigneur, on ne peut pas me plonger dans le coma. On ne peut pas me tuer tout le corps. Jamais. Seigneur, moi, je te fais confiance. Et c'est comme ça que je les ai tenus tête en espérant, en comptant sur le Seigneur. Et le Seigneur est venu à mon secours. Il a juste attrapé. Il y a une main qui a juste saisi mon ventre comme ça. C'est comme ça que le médecin s'est mis à coudre. Mais lui-même n'était pas conscient de ce qui s'est passé. Et après, maintenant, cela, le médecin était dépassé. Le corps médical était dépassé. C'est-à-dire que ça les a traumatisés. Le médecin est venu après. Le chirurgien-chef qui était là, qui c'est lui qui m'opère, est venu après voir mon mari. Je le dis au nom de Jésus, tout tremblant. Il dit à mon mari, c'est là où il nous explique. Il dit ceci. Quand il envoyait la lame pour fendre mon ventre, il y a une main contraire qui le tirait seulement vers mon utérus. Donc, quand il voulait fendre mon ventre, il y a une main qui le tirait seulement vers là où il y a mon utérus. Pour couper. Il s'est demandé que, mais ça, c'est quoi ça? Il s'arrête encore, il veut reprendre. Il y a comme une main qui l'oriente vers mon utérus pour couper seulement l'utérus. Il s'est excusé et tout, mais nous, on comprenait que c'était un problème spirituel. Il était tout tremblant. Je vous dis, il s'est rabaissé. Il s'est courbé et il a salué mon mari avec deux mains. Donc, il a donné le chapeau, le respect à mon mari. Maintenant, il y a une autre infirmière qui est infirmière retraitée, mais qui passait à m'opérer dans une clinique. Elle a travaillé à l'État, elle a pris sa retraite, maintenant elle travaillait dans une clinique. Elle faisait partie de l'équipe. C'était la main droite du chirurgien. Elle est venue aussi 2 jours après. Elle nous dit, vraiment, madame. Ça fait 2 jours qu'elle ne dort pas. Chaque fois qu'elle ça, donc après l'opération là, quand elle est rentrée, elle avait 2 jours de repos. Elle dit que elle n'arrive pas à dormir la nuit, que qu'elle se couche la nuit pour dormir, pardon. Elle se retrouve toujours dans la salle d'opération. Elle revit la scène et elle se lève dans la nuit, elle s'assoit sur le lit et elle se pose des questions. Elle demande que mais c'était quoi comme ça? Et elle dit qu'elle est arrivée à la conclusion que il n'y avait que Dieu pour faire ça. Mais elle nous disait qu'elle avait fait 30 ans de service. Elle n'avait jamais vu ça pendant ses moments de service. Quand elle était encore en service à l'État, elle a fait 30 ans de service, elle n'avait jamais vu ça. Mais ça l'a traumatisée pendant 2 nuits. Elle ne dormait pas. Elle dit que chaque fois qu'elle se couchait, elle se retrouvait en salle d'opération. Elle se levait, s'asseyait sur le lit et elle demandait, mais c'est quoi ça? Et elle a compris qu'il n'y avait que Dieu pour faire ce que. C'est là où elle nous explique. Elle dit que, effectivement, quand c'était comme une force qui était entre eux. Elle dit que quand on voulait enlever l'enfant, quelqu'un d'autre tirait l'enfant de l'autre côté. Elle dit que c'est comme si quelqu'un dirigeait leurs mains. Quand eux voulaient retirer l'enfant dans le ventre, quelqu'un tirait leurs mains de l'autre côté, que l'enfant là ne sort pas du ventre. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le temps à bagarrer. Donc, comme ils appuyaient mon ventre, ils appuyaient là. On dit qu'on veut prendre l'enfant, une main l'aide oriente plutôt ailleurs. Et c'est là où j'ai dit, et elle a dit, il n'y a que le Seigneur. Et elle a vu qu'il n'y avait que le Seigneur pour faire ça. Voilà la conclusion qu'elle est venue 2 jours après nous faire ce témoignage. Et vraiment, pendant mon séjour à l'hôpital, on nous a respectés. Je dis, on nous a respectés. Donc, nous, on était spécial. Ils ont compris que
Dieu est au-dessus de la médecine. Donc ça, c'est le thème. Et jusqu'aujourd'hui, quand ce médecin-là croise mon mari, il a toujours le même reflet de se courber et saluer mon mari avec deux mains. Donc, c'est ce témoignage-là que je voulais rendre grâce au Seigneur. C'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui délivre. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les médecins. Le Seigneur est au-dessus du tout. Et tu vas voir que beaucoup meurent comme ça sur les tables d'opération à cause de ces choses-là. Tu vois que si nous, on n'avait pas invoqué le Seigneur, si le Seigneur n'avait pas intervenu, je passais. Il n'y avait rien à faire, j'allais mourir, il n'y avait rien à faire. Si le Seigneur n'intervenait pas, je mourrais, il n'y avait rien à faire. Parce que l'ennemi était décidé. Mais, notre Dieu est puissant. Eux-mêmes, ces médecins ont compris le jour-là que ce n'est pas eux qui font quelque chose. Mais si le Seigneur n'intervient pas, ils ne peuvent rien faire. Ça, c'est un peu mon témoignage que je voulais. Et il y a aussi ce témoignage de mon fils. Mon fils qui a 5 ans aujourd'hui, c'était toujours suite aux enseignements que le frère nous donne, de faire confiance au Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Le Seigneur est réel, il est vrai. Mon fils qui a 5 ans aujourd'hui, j'avais toujours accouché par césarienne. J'avais toujours accouché par césarienne. Et quand j'ai accouché par césarienne, quand l'enfant est sorti, il a commencé à gémir. On m'a dit, oh madame, l'enfant s'il va mourir, il faut qu'on le transfère dans une grande clinique qui a des bons appareils et tout. Mais j'ai dit non, laissez-le. Madame, l'enfant, il va mourir. Tu as d'abord perdu un enfant. Mais si on laisse comme ça, madame, je connais. Chaque infirmière vient me dire que madame, je connais tel grand médecin pédiatre. Tout. J'ai dit, laissez-le comme ça. Son problème n'est pas au niveau des hommes, c'est au niveau de Dieu. Et si le Seigneur, et s'il est pour moi, le Seigneur me le laissera. Laissez-le. J'ai dit à mon mari, si... Ils avaient même déjà porté, donné l'enfant à mon mari. Avant que je ne sorte de bloc, ils ont donné l'enfant à mon mari. On a mis l'enfant dans la couveuse. J'ai dit à mon mari que enlève l'enfant là de la couveuse. Mon mari, ils avaient mis l'enfant dans la couveuse. J'ai dit à mon mari. Mon mari m'a appelé que me voici ici. On a mis l'enfant. J'ai dit enlève l'enfant là dans la couveuse. Tu viens avec. Quand, par la grâce de Dieu, il a écouté. Il a enlevé l'enfant dans la couveuse. On a dit que non, vraiment, nous on signe l'engagement ici, que c'est toi qui as pris l'enfant, machin. J'ai dit à moi que oui, accepte, signe, tu viens avec l'enfant là. On l'a enlevé, mon mari a enlevé dans la couveuse, il est venu avec. J'ai dit que prends l'enfant là dans tes bras, prie pour lui et tu le déposes là où il est, là, sur le lit. C'est comme ça que mon mari a pris l'enfant. Il a prié pour lui. L'enfant gémissait. Comme si on avait mis un gros truc sur lui comme ça. Vous voyez, quand, quand tu es étouffé, et quand il y a un gros poids sur toi, tu respires à peine là. Tu gémis pour qu'on puisse enlever. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux même pas parler. Comme si on avait mis un gros truc sur l'enfant qui ne pouvait pas bien respirer. Et c'est comme ça. Mon mari a prié. Il a pris l'enfant. Il a prié. Il a déposé l'enfant sur le lit. Et j'étais en train de causer avec lui. Je lui disais que, bon voilà, s'il vient encore, dis-lui que l'enfant se porte bien. Donc ne gère pas. Laisse-le là-bas qui gémit comme ça. On le recommande entre les mains du Seigneur. Et c'est comme ça que mon mari et moi, à un moment donné, on a même oublié qu'on avait même un cas. Et c'est comme ça qu'on était là, on causait, on parlait de autre. À un moment donné, on s'est rendu compte que la salle était calme. Parce que j'étais en salle de réanimation. La salle était calme. Et c'est là où on se souvient même encore que, on était même ici avec un enfant.
Et c'est comme ça que l'enfant a commencé à pleurer normalement. Mon mari l'a donc porté. Il a fait les selles vers des enfants là 2 fois. On lui a donné un peu d'eau et c'était bon. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, même le vaccin de, où on appelle, et quand le frère, l'homme de Dieu a commencé à prêcher que même les vaccins, j'ai appliqué ça sur lui à la lettre. Donc, même le BCG, je n'ai même pas mis sur l'enfant là. Il a 5 ans aujourd'hui. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Quand on lui fait confiance, il agit. Le Seigneur vous bénisse.